Les danseuses sont extraordinaires, elles ont des mouvements incroyables qu'on ne connaît pas nous ici en Occident. Donc c'est vraiment à dessiner comme ça, à capturer pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment une nouveauté. Et elles ont une beauté exceptionnelle dans leurs gestes, dans leurs attitudes et dans ce qu'elles nous proposent, dans le dialogue qu'elles instaurent entre elles et nous. ពងបងហើយសូនក្មួយលោកអូគីសហូដាគាត់បានឃើញរបាំព្រះជិត្រវត្តមកហើយបកូនាស៊ីសុវត្តមកហួមនៅប្រទេសសប្រាំងអញ្ចឹងលើកនេះយើងមកហួមសប្រាំងហើយយើងហួមរបៀបជំនាន់បកូនាស៊ីសុវត្តយើងហួមរបៀបផាត់មុខគ្រឿងសម្ដេចព្រាមលោកហៀបចំលខោនរបៀបជំនាន់ដើមមហោឆ្នាំនឹងយើងជួយរំលឹកពេលបកូនាស៊ីសុវត្តលោកស្ដេចយើងមកសប្រាំងហើយរត់យកគាត់ ស្លាញ់មកគាត់ស្លាញ់របាំយើងគាត់គូហូកអូឆឺនបានដឹកនេះយើងឲ្យឱកាសឲ្យពួកប្រជាជនខ្មែរហើយប្រាំងមកចូលរួមនៅមូសេស្រៈមន្ទីររដានឹងសម្រាប់គូហូកដោយរដាបានគូមហោឆ្នាំកន្លងទៅមុខនឹងបាទយើងឃើញយើងមើលឃើញអ្វីមួយ Alors on avait l'impression de voir les dessins de Rodin. C'était très étonnant. On comprenait vraiment en les regardant danser ce que Rodin avait vu et ce qu'il a dessiné. C'est très intéressant. Le dessin de Rodin, on le comprend à travers ce qu'il dit, lui, de ce qu'il a vu des danseuses cambodgiennes. Il a fait beaucoup de dessins, donc il y a plein de positions. On voit bien ce qui l'a intéressé le plus, en particulier les mouvements des bras. Mais évidemment, les dessins sont statiques et quand on les voit bouger, on comprend mieux ce que lui, il a vu du mouvement, en fait. La conjonction de deux événements, c'est l'exposition temporaire sur Rodin et la danse qui a lieu au musée en ce moment, et la venue exceptionnelle à Paris du Ballet Royal du Cambodge, et le tournage qui est en cours et qui fait qu'on a pu rassembler ces deux événements et profiter de l'occasion pour amener les danseuses cambodgiennes ici pour que les visiteurs puissent les dessiner.